C'est big ça. Ouais, c'est bien. C'est le nasal. On appelle ça le nasal. Viens. Viens. La graine là. Ça guérit beaucoup de choses. Le mot de gorge. Ça agit spirituellement dans le corps. Ça peut être purification, exorcisme, tomber enceinte. Tu vois, en haut là, il y a les plantes de sortilège. Les plantes que tu vois, c'est long, long comme les manioc là. C'est pour les envoûtements. Venez, on va aller par ici. Ozi, regarde bien là où tu mets tes pieds. Sinon, tu vas tomber, les cailloux. Ça, c'est les femmes peules qui abattent les arbres comme ça. Tu vois, Ozi, tu vois ça là, c'est la maison des génies ça. Il ne s'agit pas de trouver les plantes, il ne s'agit pas de cueillir les gui. Il faut trouver les gui les plus rares et c'est ce qu'on cherche. On va descendre comme ça. Ah, Ozi, vraiment, tu es fort, hein? Tu as fait des efforts. Tu as grimpé jusqu'ici. Tu vas aider papa à chercher les plantes. Tu vois? C'est ça. C'est ça qu'on appelle le naboule. Et ça, les graines là, le nasal. Donc, le gui le plus extraordinaire à trouver, et que nous cherchons depuis 1 heure du temps, il faut un gui qui est sur l'arbre là. C'est ça qu'on cherche. C'est le gui là, c'est ça qu'on appelle les vrais gui. Gui très rare, extraordinaire. Sur cet arbre-là. Allons-y. On va descendre comme ça. Par là. Parce que il y a les gui par ici. Il y a les naboules par ici. Osi, viens. Osi. Osiris, viens par ici, viens. Attention, quand tu mets tes pieds, regarde bien. Les cailloux, tu vas tomber. Plus on descend vers le bas, ça descend plus vite. Ah, tu risques de commencer par courir. Parce que ça descend, va doucement. Non, viens, on va aller comme ça. Par ici, on va trouver. Maman arrive. Elle est en train de filmer la maison des génies. Regarde bien là où tu mets tes pieds. Viens. Viens, on va descendre par ici. Allons-y, allons-y. Attends, viens. Ici, là, il y avait le naboule ici. Ils ont coupé les arbres. C'est les femmes peules qui coupent comme ça. C'est pour après revendre. Ah,
C'est pour revendre après. On va revenir par là. Venez par ici. Tu as trouvé, hein? Le gui sur le naboule. Non, il faut que ce soit sur le naboule. On ne veut pas le gui qui n'est pas sur le naboule. Hein? Non, sur autre plante, non, on ne veut pas ça. On veut que ce soit sur l'arbre qui est rare là. Difficile là. L'arbre de la foudre là. C'est ça qu'on préfère. Donc vous voyez, vers là, madame a trouvé le gui. Mais ce n'est pas sur l'arbre que je veux. Le gui le plus puissant. Le plus extraordinaire, exceptionnel. C'est quand le gui est sur le naboule. Viens, 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 viens. Viens. Viens, on va aller comme ça. On va revenir par là. Quand on va quitter. Elle arrive. Regarde bien par terre là où tu mets tes pieds pour ne pas tomber. C'est l'arbre là, ça. C'est son gui qu'on a besoin. On va, même s'il faut fouiller toute la montagne, on va le faire. Sans ce gui, on n'a pas un gui extraordinaire. Le seul gui extraordinaire, c'est un gui qu'on trouve sur le naboule. C'est ça, c'est l'arbre là, ça, la boule. Non, il n'y a pas le gui sur ça. On va chercher le gui. Viens. Ça, non, c'est pas le gui. Ça, c'est autre chose. Aussi. Osiris, regarde bien là où tu mets tes pieds. Pardon. Regarde bien par terre pour que ça ne te glisse pas. Osiris. Regarde ça. C'est quoi ça? Tu connais ça? C'est quoi ça? Bravo, la maison de l'oiseau. On appelle ça le nid. Tu vois, ici, il y a beaucoup. Mais le feu a trop ravagé. C'est l'arbre, ça, mais il n'y a pas le gui. Tu as vu le gui? Où ça? En bas là-bas. On va aller voir s'il y en a. Tiens, tu as laissé ton sac? Regarde. Regarde. Caca du lièvre.
petite lièvre. On va ramasser. Il court rapidement. Comme il est rapide là. Ce caca aussi peut servir à préparer des produits où la chance est rapide comme le lièvre. Tu as compris? Mets dans ma main. Je vais mettre dans le sac. Voilà. On a trouvé caca. Hein? On a vu caca de lièvre. Attends, Ozi, ne pétine pas. Ozi a vu là-bas qu'on a qu'à aller voir. On va ramasser Ozi. Nous qui ne connaissons pas. Caca de lièvre. Lièvre, ceux qui ne connaissent pas le lièvre. Et vous voyez, ce caca. Comme le lièvre est rapide, on peut parler aussi produit de chance. Où la chance est super rapide. C'est ça l'origine de ce qu'on appelle la pâte du lapin. Couper la pâte du lapin pour être extraordinairement chanceux n'est pas différent des caca de lapin. Mets ici. Voilà, mets tout. Voilà, c'est bon. On va mettre ça. On va mettre ça dans ta poche, non? Ici, jamais. Non, laisse-moi mettre ça ici. Arrivez, je vais prendre. Voilà. Aussi, bien, marche bien. Ici, il y a les bouts de bois. Oh, tu as dit tu reviens, non? Oui. On va vérifier ici, voir s'il n'y a pas aiguille ici. Prends. Wow. Ici là. Ouf. Je ne crois pas qu'il y a qui ici. Il n'y a pas. Ne cours pas, on ne court pas ici. Tu vas tomber. Ozi. Ici, il n'y a pas. Il n'y a pas le guide dedans ici. On va aller comme ça. Plus de 1 heure du temps dans la forêt. On cherche le gui. Le gui n'est pas n'importe lequel. Le gui qui pousse sur le naboule. Sur la plante nommée. C'est ça. L'épée de la foudre divine. Ici là, il y a beaucoup de graines. Hein. Ozi, tu vas nous mélanger. Doucement. Ça pique. Passe, laisse. Lève. Et enfin. Oh, là, c'est comme il n'y a pas. J'ai confondu. Si, il y en a. Ozi, viens voir. Viens voir. Quelqu'un a dit qui cherche, trouve. Qui trouve, supporte. Viens voir, c'est ça. C'est seulement ce qui a fait que ça m'a fait comme il n'y a pas là. Ce sont ces feuilles. Il a perdu ses feuilles. Vous voyez, c'est l'arbre là, ça. Ça, c'est le gui, ça. Vous voyez comment la branche est différente. Regardez la branche là. Maintenant, regardez ici. Voilà. C'est ici maintenant que le gui a commencé à pousser. Ici. Vous voyez que les branches sont différentes. Donc ça là, c'est le gui, ça. C'est différent. Donc toutes les branches là, nous allons enlever ça. Nous allons enlever tout. Tu savais qu'on va trouver. Parce que c'est une forêt vraiment très sacrée. Ozi, on va commencer. Quoi? Enlever. Regarde, c'est le gui. J'ai trouvé le gui, c'est ça. Donc tu tiens bien ton bafana. Parce qu'on ne tombe pas par terre. Ça tombe par terre, on ne prend pas. Attends. Quoi? Tu commences à chercher. Non, il n'y a pas encore. Hein? Il y a non. Oh, ouais, je communique mentalement avec. Regarde derrière. C'est les œufs, bien sûr. C'est la feuille là.
Les insectes. Bon, donc je vais raccrocher. Vous voyez que même le gui là, c'est un gui extraordinaire parce que le gui a produit même, l'arbre a produit ses propres fruits. Regardez bien, je ne sais pas si vous voyez. Il y a les fruits roses, jaunes. Vous voyez, différents des fruits jaunes que vous voyez là. Donc c'est ce qu'on appelle le gui le plus rare. Voilà. Trouvez le gui sur l'arbre là. En tout cas, nous sommes... En tout cas, nous avons trouvé. Donc, on va faire pause, on vous revient. Le temps de cueillir ça. Voilà. Donc, comme je vous disais, vous voyez, la mère divine a fait une grosse récolte. C'est ça, dans le sac. Il y a aussi dans le bafana des Osiris. Donc, on en a trouvé. Donc, comme je vous disais, le gui le plus rare, c'est le gui qu'on trouve sur cet arbre-là. N'hésitez pas. Au cas contraire, contactez-nous. On peut aller. Osiris, je vais tenir ça là, c'est lourd. Non, non, ça va rester, on continue. On va filmer la forêt en même temps en allant. Allons-y. Ben, il déporte ton portable télé. On s'est dégoté quelques cure-dents, vous voyez. Cure-dents spéciales. Ça sort. Dis quoi, viens boire l'eau, viens quoi. C'est bon? Prends l'eau, on va aller. Papa, cure-dent. Maman, déjà, attends, je vais te donner ici. Pour lui, son sac. Son papa. Osiris, que le suivi, cure-dent. Voilà. Ok, allons-y. Suivez-moi. Doucement, hein, Ozzy, regarde là où tu pétines, pour ne pas tomber. Le grain là, c'est bien gros. Quand on va revenir là, on va sélectionner, non, on va aller, le temps. On va sélectionner ceux qui sont bons, bons, bons seulement pour cueillir. Il y en a tellement. Le gui que tu as vu de l'autre côté là, après on va cueillir ça quand même. Après on viendra pour lui, même si c'est pas. Tu vois, il fait pas, il est mélangé ici. Mais il n'y a pas le gui. Tu vois, c'est lui ça. Celui-ci non, mais il n'y a pas le gui. Lui aussi n'a pas le gui. J'ai montré le nid. Ah, je lui demande c'est quoi ça? Que c'est la maison de l'oiseau. Tu vois comment ici, il y en a plein plein. Le truc là. Quand il va encore grandir là, il peut produire le gui. Tu vois comment il y en a plein, mais c'est pas n'importe où on trouve le gui. Il faut que ça soit mature aussi. Quand on n'avait pas encore brûlé la forêt, c'est si on était venu, tu te rappelles? On était venu pour la méditation là. On était habité encore jaune là, nous tous là, c'est là-bas. Et si on a garé, on est monté. Encore devant. On peut sortir sur la route, non? Comme... Tu vois? Ici, il y en a, mais... Tu vois comment ils ont construit? Vas-y, dis quoi? Viens.
Hein? Je voulais voir si on peut trouver au moins un gui ici. Pour que demain, et après, on va programmer ça. Mais ça, en tout cas, si prochainement on vient là, on garde là-bas, on va au fond, on peut trouver encore. Là, il y a plus, il y a pas tellement. C'est fini dans ta bouche. Tout est fini dans ta bouche. Tire dedans. T'as venu. Bon, je crois qu'on va rentrer. Alors, c'était une petite virée dans la montagne. Et en l'espace de 2 heures du temps, nous avons trouvé le gui le plus rare. Alors, bye bye et prenez soin de vous. Au tepe.